Et bienvenue donc dans la suite de ce Let's Play Street Fighter 2 Turbo avec Ryu. Sans attendre la suite des combats. Yeah! Et maintenant nous allons affronter Guile. Oh, attention, ça rigole pas, on va lui mettre sa misère. Et c'est parti. Hop, oh, sans un petit début tranquillou. Il y va, hop. Oh, Sonic Boom. Attends, tu vas voir, en plus t'es trop mal coiffé. Hop, tiens. Oui, tu... ouais, Gail, il est un peu difficile à toucher parce qu'il joue uniquement que sur la défense et la contre-attaque. Alors dès que tu l'approches, faut faire vers de terribles réflexes, sinon Pierre n'est pas dans la touche. Attention. Oh, c'était limite, hein. J'étais presque mort. Hop, premier round gagné. Hop. En deux, on commence, on lui fout sa misère. Ah voilà, il joue encore la défense, c'est ultra chiant, il reste dans son coin là-bas. Dès que tu l'approches, hop, il te fout des coups dans la tronche. Mais on va la voir, la petite Guile. Hein? Non mais... Ah bah voilà, je me fais buter. Horrible, j'étais en supériorité au niveau énergie et technique et là d'un seul coup je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, j'ai réussi, c'était un poil de cul. Et voilà, Guile, t'es mort. Bon, c'était un petit peu chaud là. Hop, allez, va te recoiffer, hippie. Maintenant la suite des petits boulots de Ryu, qui s'est reconverti dans la maçonnerie apparemment. Mais qui casse des briques. Ça ne casse pas des briques. Oh, oh, oh. Hop là. Avec les pieds, hein, parce que bon, Ryu déjà, il casse une bagnole avec les pieds. Et les briques ici, hein, il aime bien. Et voilà. Fastoche là. Ouais, les briques, généralement, ça va tout seul. Allez hop. En avant pour le prochain chapitre. Shtoken. Où on affronte mon pote. Enfin, je l'aime pas trop, hein. Franchement. J'ai bien lutté contre lui. Ken Masters, il est bien chiant, quoi. J'essaie de l'avoir à coup de Shoryuken, mais évidemment, c'est moi qui me prends la patate dans la tronche. Bon, là, ça va, il est pas très réactif, le Ken, j'ai beaucoup de chance. Ah, ah, ça y est, il commence à s'énerver, apparemment. Donc, on va faire gaffe, là. Parce que... Quand il commence à s'y mettre, le petit Ken, tu te fais Ken. Oh, 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 c'était mieux. Ah, je vais presque l'avoir. Oh non, oh non, non, et si je me fais tuer alors qu'il a plus que un poil de cheveux de... Oh mais non. Ah mais c'est abusé quoi. Vous avez vu ça? J'avais la moitié de mon énergie, lui il avait quoi, un poil de cheveux. J'avais juste à lui foutre une pichenette et d'un seul coup, hop. Donc c'est pas grave, premier round perdu, on va se rattraper dans le deuxième. Hop là, on évite son Shoryuken. Tiens, comme ça, une balayette dans la tronche. Vous voyez, des fois, il y a mon perso qui se baisse. C'est parce qu'il y a des fois, j'essaie de faire des Shoryuken qui n'arrivent pas, ou des fois, j'essaie de faire les tourniquets avec les pieds, ce que j'appelle. Et pareil, avec la vieille manette, des fois ça. Y a pas une... Enfin, ça répond pas très bien, donc des fois, bah. Comme dans un jeu de combat, une seule seconde de retard dans un coup, tu peux être foutu, quoi. Donc, enfin, j'ai gagné le deuxième round. Et voilà. Attention, c'est la belle. Qui va gagner, Ryu ou Ken, d'après vous? Ah, oula. Ah, il m'énerve avec ses Shoryuken, en plus il en fait deux d'affilée, franchement, ça se voit bien que c'est l'IA, quoi. Toi-même, tu peux essayer, tu n'y arrives pas, mais lui, j'ai même vu des fois lui faire trois Shoryuken d'affilée, et tout de suite après, coup de pied, tourniquet. Sans pouce, quoi.
Ah ouais, Ken, il est ultra chiant. Attention, allez, hop, on va le battre. Tiens. Oh non, oh non, non, oh non. Allez, allez, hop. Ah, fou, vous avez vu là? Il m'a fait au moins 3 chariotiennes d'affilée, j'allais mourir, mais heureusement, réflexe. Voilà, voilà. Allez, hop, dégage, Ken. Prochain combat contre Chun-Li. Bon bah généralement Chun-Li elle est pas trop compliquée à battre, donc ça devrait le faire. Ah oui, donc à noter qu'en fait la première fois que j'ai voulu enregistrer ma partie, c'était donc jusqu'à Ken et ça a bugué. Donc la partie que vous voyez là à partir de Chun-Li, c'est ma première partie et le début en fait c'était la deuxième partie parce que j'ai dû recommencer jusqu'à Ken en fait parce que ça avait bugué la première fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite différence au niveau du score, si vous avez remarqué. Voilà, voilà. Et au début, j'ai essayé la capture vidéo avec l'émulateur, mais ça faisait des vidéos de 4 gigas pour à peine quoi, peut-être 5 minutes de jeu. C'est un peu gros, quoi. Et je me suis fait niquer par Chun-Li, c'est bien la première fois que je me fais tuer par elle. Bizarre. Bon, apparemment il y a un partout, donc c'est pas grave, on va le battre à la troisième ronde. Généralement je perds jamais contre elle. Mais voilà. Ça arrive, hein, des fois, comme ça. Oula, elle est en train de me mettre une tannée. Attends, ça va voir ta tronche, la sauterelle. Hop. Ok, circulaire, là. Ok, ton idée, yo! Ah, je suis Ryu! Oh non! Voilà! Deuxième coup de pied, ton idée, et c'est fini! You win. Allez, Chun-Li! Va bouffer du riz! Bon, voilà, bah, je coupe la deuxième partie juste avant le début des 4 boss, sinon ça va encore dépasser la limite YouTube, donc. A tout de suite pour la troisième partie de Let's Play Street Fighter 2 Turbo.